La PLS, la position latérale de sécurité. En quelles circonstances on la réalise? Lorsque la victime est inconsciente, mais qu'elle respire. Lorsqu'une personne est inconsciente, il y a un relâchement musculaire qui s'opère. Et donc, il y a tout un tas de muscles qui vont se relâcher, mais il y a deux muscles qui vont nous intéresser dans ce relâchement, c'est celui de la langue. Le muscle sur lequel tient la langue est détendu. Donc, par sa masse, la langue va tomber vers le sol, un peu comme une pomme qui tombe de l'arbre. Et une grosse idée reçue, on ne peut pas avaler sa langue. C'est anatomiquement pas possible. Par contre, comme n'importe quelle loi de l'attraction terrestre, la langue, comme elle est plus tonique, elle va tomber comme une masse dans le fond de la gorge et elle va empêcher l'air de passer. Il y a un autre muscle qui va se relâcher lorsque la personne est inconsciente, c'est le clapet anti-retour de notre estomac. Ce clapet, il a une fonction, il permet à l'aliment de passer de l'œsophage dans l'estomac, mais ça l'empêche de repartir. C'est pour ça qu'on n'a pas des reflux gastriques. Mais lorsque la victime est comme ça sur le dos, elle est inconsciente, ce clapet anti-retour là, il est également relâché, et donc tous les liquides gastriques qui sont présents dans l'estomac vont pouvoir passer. Ils vont naviguer vers l'œsophage, ils vont aller vers le fond de la gorge, et ils peuvent être réaspirés dans les poumons. Là, la personne peut s'étouffer et avoir un risque accessoirement infectieux au niveau des poumons en inhalant ces liquides gastriques. Donc, pour éviter ça, on va la mettre sur le côté. En la mettant sur le côté, par sa masse, naturellement, la langue repartira dans la bouche. Donc, ça va libérer naturellement les voies respiratoires. Et une fois sur le côté, on va, une fois que la PLS est faite, faire une pression sur le menton pour rouvrir la bouche. Pourquoi rouvrir la bouche? S'il y avait des éventuels retours gastriques, ces liquides gastriques vont laisser couler à l'extérieur par terre plutôt que de tomber dans les poumons. C'est pour ça qu'on la met en position latérale de sécurité.